Eh bien, salut tout le monde, c'est Draco. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 sur Dark Souls. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos proches et vos animaux de compagnie aussi. Et c'est parti, on va se lancer direct dans le vif du sujet. Et on a un boss qui nous attend. L'épisode 7, vous avez vu, le boss. Moi, franchement, pour moi, je le trouve simple. C'est juste que j'ai pas encore les bonnes mécaniques. Et malgré que j'ai pris 30 minutes pour essayer d'apprendre les contres et placer des combos, et ben c'est pas suffisant. Donc je me referai des petites sessions comme ça. Pour apprendre à bien utiliser les boutons, parce que je me suis trompé. Vous avez vu dans l'épisode 7, je me suis trompé. Et je suis tombé dans le vide parce que j'ai reculé. Au lieu d'appuyer sur A, j'ai reculé. Donc on va aller récupérer nos âmes. Pour l'instant ça part mal. Et boum. Et paraît-il que quand on fait le contre, ça donne plus d'âme. Et là j'ai enchaîné direct l'épisode 7 avec l'épisode 8. Hein. Là c'est l'épisode 8. Ok, les deux d'un coup. Une pierre de schlasse. Ok. On les a eus. On va passer par là. Parce que c'est plus simple de les avoir dans le coin. Non, déloque. Une pierre de coups. Allez, nos âmes. On va les récupérer là. Je suis pas encore au top niveau maniement, mais je me débrouille de mieux en mieux. J'arrive à faire des contres, ce qui n'était pas le cas auparavant. En plus contre le boss, je sais même pas si on peut se protéger. C'est fou ça, est-ce qu'on peut se protéger? Avec notre bouclier. Je crois que lui le boss il s'en fiche, il écrase tout, hein, bouclier ou pas. Même si t'as un bouclier en titanium, en kevlar là, lui il va tout écraser et puis c'est tout. Hein.
Et j'ai une bénédiction divine aussi. Ça va être chaud. Ça va être chaud! Et voilà! Allez, oust! Je vous avais dit qu'il était facile. Bon, s'en est pas trop mal sorti. On peut retourner en arrière? Je vais voir s'il y a un feu de ce côté-là. Ça m'arrangerait qu'il y ait un feu. On va y aller prudemment. Non! J'aime pas trop les petits chemins comme ça là. On peut se faire avoir pour rien dans ce genre de petits chemins. Ouh là 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 là. Je pense que c'est là où on va aller. Il y a pas mal d'ennemis. Vu qu'on nous invite à descendre, eh ben, je pense que c'est là où on va aller. Et il y a pas mal d'ennemis. Vous voyez pourquoi je casse les pots? Parce que derrière, il peut y avoir des cadavres cachés. Ouais. Ouais, c'est juste magnifique. Ah. Il a l'air d'être fort, lui. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais voir ce qu'il veut. S'il veut m'attaquer, ben je fuis. Il y a deux issues. Ah, hello. Ah, bonjour. Vous n'avez pas l'air d'une carcasse, loin s'en faut. Je suis Solarius d'Astora, un fidèle du Seigneur Solaire. Après être devenu mort-vivant, je suis venu sur cette terre sacrée, le berceau de Gwen, pour y trouver mon propre soleil. Vous trouvez ça étrange, non? Eh bien, vous devriez. Pas la peine de vous cacher. De vous en cacher. Tout le monde me prend. Ouais, je sais pas. Ah ah ah. Oh là là. Alors, je ne vous ai pas fait peur. Si vous avez le temps de m'écouter, j'ai une proposition à vous faire.
Je veux bien écouter ta proposition. J'ai le sentiment que nos destins sont liés. Au beau milieu de cette terre infestée de carcasses, et serait purement le fruit du hasard. Alors pourquoi ne pas faire route ensemble, histoire de tromper la solitude? Qu'en dites-vous? J'hésite là. J'hésite. Parce qu'il peut y avoir des bons objets à la clé. Et moi j'ai envie de faire cette aventure en solo. Well, yes, quite understandable. Not to worry. I do not wish to impose. I was in the wrong. We'll laugh it off, shall we? Si je reparle. Oh, hello. You're still then perhaps you have reconsidered my offer. Well, yes. C'est bien compréhensible. N'ayez crainte, je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Je me suis trompé sur votre compte. Autant prendre le parti d'en rire. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce qu'il faut que j'accepte? Bizarre ces personnages-là. Oh, voilà pourquoi ils parlent de nous aider. C'est là qu'on peut... Non, c'est verrouillé. C'est là qu'on peut remonter. J'ai que deux fioles d'estus. Et il n'y a pas de feu. Est-ce qu'on va accepter son aide? Est-ce qu'on va s'en sortir seul? C'est un dragon. Ça a l'air d'être un dragon en tout cas. Il a cramé tout le monde. Et là il est en face de moi là. Qu'est-ce qu'il va me faire? Fiole d'Estus. Je sais même pas si mon attaque m'a touché en plus. On peut descendre. Ok, si on descend. Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, il y a un passage. Ça nous fait descendre. Ah, c'est le raccourci du feu. Ah ouais, mais on pourra pas remonter là. Non, on pourra pas remonter. Donc non. C'est bien sympa de me faire un raccourci, mais si c'est pour me taper tout le trajet dans l'autre sens, non merci. C'est un peu naze ton raccourci là. Ah, c'est beau. On peut tout voir, vous voyez. On peut voir le début. Là, le sanctuaire de l'Ichefeu avec les arbres et le corbeau. On va avancer à tâtons. On sait pas s'il... Ouh, il y a des ennemis. Épée longue. À quoi ça sert que tu me proposes de récolter ça?
que de toute façon, on peut pas les vendre. Je vais pas m'amuser à chaque fois à mettre ça dans ma boîte sans fond. Non mais est-ce que vous arrivez à vous rendre compte, proposer des choses comme ça qu'on peut pas vendre, mais qui nous oblige à perdre du temps à mettre ça dans la boîte sans fond, elle est où l'utilité là? Donc peut-être que l'utilité nous sera révélée plus tard, mais en attendant, moi je vois rien. Et c'est pas peu dire. Lui s'il m'attaque, en un souffle il risque de me tuer là. L'autre, il avait proposé de nous aider. Est-ce que ce serait pas une mauvaise proposition d'accepter? Parce que le dragon, là... peut-être qu'il pourra occuper le dragon pendant que moi, je passe. Oh là 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 là! Non, il n'y avait pas de feu, me dites pas que je vais devoir me taper tout le trajet là. Et vous savez quoi? On va le faire. On va le faire, sans pitié. Sans pitié. Le boss, je l'ai déjà battu. On va courir, hein, on va courir, on va se dépêcher. Rondage fendu, rondage fendu. On se débrouille mieux, on se débrouille mieux. Là, il y aura quelqu'un. Tape pas dans le mur. De toute façon, il y aura plus de boss. Je l'ai tué. Voilà. On va les tuer.
Regardez-moi ce décor. Regardez-moi ce décor. Donc je sais pas en quoi l'espèce de l'autre chevalier avec son armure solaire et le chevalier solaire, en quoi il voulait nous aider. Mais là, le dragon, je sais pas du tout comment passer. Donc on va accepter son aide. Je pense qu'il n'est pas là pour rien, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais je sais pas si d'accepter son aide ça va faire disparaître mes âmes. J'ai perdu toutes mes âmes. Fils de. Épée courte, ça sert à quoi? Je suis mort tellement bêtement. Voilà, là je vous dis, j'en ai marre là. Allez, approche. J'espère que mes âmes y seront toujours. Sinon j'ai perdu 10 000 âmes. 10 000 âmes. On va la regagner, hein. On va les regagner. Purée, qu'est-ce que je suis deg. Oh, mes âmes sont là. Ah, elles sont pas perdues?
Ah ouais, mais c'est le peu d'âme que j'avais. Vous savez quoi? Ça coûte quand même rien. Mais non, mais non, mais pas ça! Pas ça! Le coup en avant comme ça, voilà! Bordel! J'ai perdu 10 000 âmes. Mais oui, allez-y, vous. C'était à titre de marque blanche. C'est une terre étrange, peuplée de créatures tout aussi étranges. Le cours du temps lui-même semble altéré. Des héros venus d'autres apparaissent et disparaissent sans explication. Ici, c'est la toile de la réalité qui semble s'affioler. Impossible de dire combien de temps mon monde et le vôtre resteront. Alors, utilisons cet objet permet de franchir les barrières séparant nos mondes et de nous invoquer sous la forme afin de travailler en coopération. Bien entendu, nous ne sommes pas les seuls protagonistes de cette histoire. Moi, je suis un chevalier solaire. Vous reconnaîtrez facilement ma signature d'invocation à son aura lumineuse. Si vous la ratez, c'est que vous êtes aveugle. Le soleil est un corps céleste unique, notre père à tous en quelque sorte. Si seulement l'éclat de mon aura pouvait rivaliser avec la sienne. Je vais rester ici pour profiter du soleil. Tu dis la même chose. Donc tu vas pas m'aider pour le dragon. Et encore une fois, je vais me faire brûler. Un passage là? Ah non. Non mais là je vais me faire brûler là. Je vais me faire brûler. Comment ils veulent qu'on passe? Oh! Et lui avec son arbalète derrière, et fait 500 mètres là. Putain!
putain, sale fils de pute! Et pourquoi il me propose de redescendre par là? Mais bien sûr, mais oui! Elles sont où mes âmes là? Je suis mort devant le feu? Je suis mort devant le feu. Ça commence à me gonfler sévère. Mais bien sûr, j'étais même pas en train de regarder le jeu, hein. Non, non, j'étais en train de faire un truc là. Vous avez récupéré 72. Génial. Wouhou. Il y a de quoi se réjouir. Et bah vous savez quoi, moi je vais regagner mes âmes. Et vite fait, bien fait. Mais oui, fais des sauts de 40 mètres, je te dirai rien. Et en plus, tout à l'heure, il y a un ennemi qui m'a donné 500. C'était qui comme ennemi? Mais eux? Mais eux? Tiens! Tu vois comment je vais arrêter de me saouler maintenant. Mais casse-moi ça là! Ah ouais, t'es là toi? Là maintenant, j'en ai marre. Ça va y aller à tour de bras, à tire-larigot.
Il est où l'ennemi qui valait 500 là? Purée, je me souviens plus. Ah carrément il descend. Tu manques pas de toupet toi. Attends, je vais monter moi. Allez, approche. Super, 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 bien joué. Mais ils en jettent tous les trois ou quoi?
Quoi ce bruit que j'ai entendu là? Bien joué! J'ai utilisé l'échelle! J'ai utilisé l'échelle! Et là c'est quoi là? Là c'est quoi là? Toujours là, lui. Il me dit quoi d'autre là? Oh, hello there. The sun is a if only art. Ok. Il m'a donné un objet. Donc l'objet. C'était quoi? Mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Flèche d'âme. Comment je fais pour l'utiliser? Ok. Putain. Putain, les dégâts de merde qu'ils font. Putain, je suis obligé, hein. Utiliser une putain de fiole d'estus. Et lui m'a donné un truc, je sais même pas à quoi ça sert là. C'est ça? Non, on peut pas l'utiliser. C'est ça? Non, on peut pas l'utiliser. C'est ça? Voilà, non, c'est pas ça. 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 Pas de récupération d'estus dans la zone, ok. Membre d'une victime de malédiction, une malédiction temporaire permet d'affronter les fantômes. Le seul moyen d'affronter les fantômes maudits par nature est de devenir soi-même maudit. Donc non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça.
le gars m'a donné un truc. Je ne peux pas l'utiliser. Comment passer? C'est dingue. C'est complètement dingue. Ils auraient pu mettre un feu là. Je demande si je cours, est-ce que ça va le faire? C'est quoi? Je vais me recharger à fond. Donc là j'ai plus de fiole d'estus. Mais ça m'enlève toute ma vie! C'est impossible de passer. Super. Ça ne fait aucun sens. Vas-y, viens là. Lock-le, lock-le. Je vais récupérer tout. Je vais récupérer toutes mes âmes. Et là, ça va pas rigoler. Et je me souviens plus quel ennemi donne 500. Et je peux pas reculer, je peux pas reculer. Donc vous savez quoi tout le monde, on va s'arrêter là. C'était Draco pour cette énième partie de Dark Souls. Et on va s'arrêter là parce que je vais farmer de mon côté. Et pour éviter que ça fasse des vidéos trop longues. Donc je vais farmer de mon côté pour obtenir des âmes. Et je me souviens plus quoi d'autre. Bref, je vous souhaite le meilleur. C'était Draco, je vous dis bye bye et à la prochaine.